Bonjour, aujourd'hui je vais faire le numéro 2, page 84, colonne 1. Écris chacun des nombres mixtes suivants sous la forme d'une fraction. Alors, il faut transformer les nombres mixtes en une fraction. Comment on peut transformer un nombre mixte en une fraction? On a les trois étapes suivantes. La première étape, il faut que le dénominateur reste le même. Alors, il faut écrire le dénominateur comme il est. Deuxième étape, il faut dessiner une flèche de 2 jusqu'à le dénominateur. Alors, une flèche entre l'entier et le dénominateur, c'est fois. Puis, la réponse de 2 fois 5, il faut faire plus 4. Alors, c'est la troisième étape. Maintenant, il faut écrire. Alors, 2 fois 5, la réponse plus 4. Alors, maintenant, 2 fois 5, 10 plus 4, 14. Alors, la fraction est 14 cinquièmes. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Non. Alors, je répète. 2 fois 5. Quelle est la réponse? 10. Maintenant, 10 plus 4, 14. Alors, la réponse est 14 dans le numérateur et le dénominateur ne change pas. Maintenant, le deuxième exemple. On a 3, 17 sur 29. Alors, la première étape, il faut écrire le dénominateur 29. Deuxième étape, il faut dessiner la flèche 3 fois 29. Troisième étape, la réponse plus 17. Alors, il faut écrire maintenant 3 fois 29 plus 17. Quelle est la réponse de 3 fois 29? 3 fois 9, c'est 27. 7 et je retiens 2. 3 fois 2, 6 et 2, 8. Alors maintenant, je vais faire 87 plus 17. 7 plus 7, 14. Et je retiens 1. 8 plus 1, 9 et 1, 10. Alors, 104. Alors, la fraction, c'est 104 sur 29. Maintenant, pour la troisième fraction. Ou bien nombre mixte. 5, 6, 7e. Il faut écrire tout d'abord le dénominateur 7. C'est-à-dire que le dénominateur reste le même. Puis, il faut faire 5 fois 7. La réponse plus 6. Alors, maintenant, il faut écrire 5 fois 7 plus 6. Quelle est la réponse de 5 fois 7? 5 fois 7, c'est 35, n'est-ce pas? Alors, il faut faire maintenant 35 plus 6. La réponse, c'est 41. Alors, la fraction, c'est 41 septième. Et voilà. De cette façon, on peut transformer un nombre mixte en une fraction.